villageois, c'est une bande de jeunes qui arrivent sur la place d'un village avec des camions et qui installent des tentes, une sono, de la décoration pour faire une sorte de fête de village itinérante où il y a un côté festif un peu à l'ancienne, mais aussi on va ramener des services de la vie de tous les jours, donc par exemple des tests de santé, des aides aux démarches administratives ou encore des associations locales pour faire revivre les villages. On est présent sur 6 départements et notamment la Nièvre qui est notre implémentation principale où on couvre 30 villages toute l'année et dont on est très fiers. Ça a changé la vie dans le bourg, dans les hameaux. Livry, c'est 5 hameaux. C'est aussi grâce à ce modèle économique un peu différent de faire venir sur un territoire rural des jeunes où ici on a une difficulté justement à attirer. Et du coup, Villageois permet à ces jeunes de revenir 6-8 mois sur ce territoire, peut-être pour leur donner l'envie de s'installer ici. L'idée vraiment du mandat, c'est l'obtention du label Ville et Métiers d'Art. C'était le musée de la vigne, et du coup on a gardé le musée de la vigne, mais dans la pièce à côté, dans une petite salle d'exposition. Ici ensuite, ça deviendra un atelier pour l'accueil d'artisans d'art. Ici, on a vu comment la vie elle jaillit à partir de l'initiative des élus, l'esprit collectif qu'il y a entre toutes les institutions et un rôle remarquable de l'État dans ce territoire, et comment les habitants, aujourd'hui, avec une association assez fabuleuse qui est en fait une sorte d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, recréent de la vie, ramènent des services en allant vers les gens.